Alors, on va rapidement regarder le compte rendu de l'enquête précédente. Résumé du dossier, Doulay m'a dit d'aller à la bibliothèque. J'imagine qu'il a dû voir l'étrange orage qui s'est formé au-dessus. Donc, mise à jour, en fait, il n'avait pas vu l'orage. J'ai fait des rencontres intéressantes et aidé un gamin. C'est pour ce genre de truc que je fais ce boulot. Ça et repousser les forces du mal. Allez, troisième affaire. Désorient Express. Ah, ça va être le train-train quotidien pour notre enquêteur. Résumé du dossier. Dooley m'a fait venir à la station de métro pour une soi-disant urgence. C'est parti. Je sais pas dire Dooley ou Doulet. J'hésite à chaque fois. C'est une longue introduction. Oups, oh non, ça a craché. Ah non, j'ai cru que ça avait craché, c'était trop bizarre. Désorient Express. Ah, McQueen, content de te voir. Je suis parti juste après que tu aies appelé. De quelle affaire s'agit-il? Affaire? Ah mais non! J'avais juste besoin que tu me déposes. La station est fermée. Fermée? Ouais! Il y a un train carrément sinistre qui bloque les voies. Enfin bref, allons-y. Un train sinistre? Ouais! Un train sinistre! Bon, on ferait mieux d'y aller si tu veux pas arriver en retard au boulot. Dolé. Tu me dis qu'il y a un train sinistre. Nous, on est la division du côté obscur. Tu penses pas que... Ah bah non! Penser que ça fait partie de ton job, monsieur l'inspecteur. Allons jeter un œil. D'accord, mais s'il y a plus de donuts quand on arrive au bureau, c'est toi qui invites. Ah, oh, ce cliché. T'es sûr qu'on peut pas juste aller au bureau? J'ai pas encore fait ma sieste de la matinée. Je peux pas dire que je sois surpris que quelque chose d'étrange se passe par ici. Ah oui, la station du diable. Avec le 668 à peine. Encore des lumières vacillantes. Ah ben, on adore ça ici. Aïe 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 aïe. Des lumières qui clignotent indiquent souvent une activité surnaturelle. Les flics sont nuls, avec une énorme faute d'orthographe en plus. Enfin, plusieurs même. Pas aussi nul que ton orthographe de gamin en tout cas. Voilà. Ouais, gamin, va. Elle semble marcher, mais je n'ai pas de monnaie. Je vais devoir utiliser cet insigne et mettre à profit mes privilèges de membre des forces de l'ordre. Tu prends souvent le métro, toi? Non. Avant qu'on ait la voiture de patrouille, j'avais l'habitude de prendre des taxis. Gorborge. Pardon. Hein? T'as dit quelque chose là? Qui ça? Moi? Non, non. Je suis le traite de gros bourge. Désolé, inspecteur, mais la barrière est cassée. Il va falloir qu'on passe par en dessous. Pourquoi on ne sauterait pas par-dessus plutôt? L'assurance pour le saut était trop chère. Du coup, on est juste couvert s'il nous arrive quelque chose pendant qu'on rampe lentement. Décidément, être flic a vraiment rien à voir avec ce que la télévision m'avait vendu quand j'étais gosse. Conducteur Gilles. Ah oui, c'est le conducteur du train fantôme. Ah, c'est énorme. Vous avez votre billet, monsieur?
Puis-je vous demander qui vous êtes? Le conducteur du train, monsieur. D'accord. Vous avez l'air un petit peu... Fantomatique, monsieur. En effet, en effet. Vous êtes un fantôme? Pas du tout, monsieur. D'abord, les fantômes sont bleus, et ensuite, ils ne peuvent pas être vus sans un équipement adapté. Non, nous sommes des habitants du côté obscur. Et pouvez-vous m'indiquer la raison de votre présence ici? Le train est immobilisé, monsieur. Je fais actuellement de mon mieux pour assurer la sécurité des passagers pendant que la situation est rectifiée. Rectifié. Oui, monsieur. J'imagine que les envoyés de la division du côté clair s'en occupent en ce moment même. La division du côté clair. La division du côté clair. D'accord. Pour quelle raison êtes-vous ici? Comme je vous l'ai expliqué, monsieur, le train est immobilisé. Nous ignorons pour l'instant la cause du problème. Cela a vraisemblablement quelque chose à voir avec les voies, monsieur. Il faudrait que je jette un coup d'œil dans la salle de contrôle afin de m'en assurer, mais je ne peux pas quitter mon poste. Un billet? C'est bien ce qui me semblait. J'ai peur de devoir vous demander de partir, solide. Vous venez de nous appeler... Pardon, j'en perds ma voix. Vous venez de nous appeler solide? Certainement pas, messieurs. Ce n'est pas mon genre d'utiliser ce type de langage. Revenez quand vous voulez, monsieur. Oscar le Grognon. Oncle, ça ne veut pas que vous sachiez les choses que je vais vous montrer. Alors ça me rend antipathique quand je sens un poulet et son acolyte un peu simplet venir me faire mes boutiques. Les Alexandras ne sont pas respectées. Licence poétique, sale flic. Quelque chose à propos de ce train vert, aussi transparent qu'inquiétant, me pousse à croire qu'il ne devrait pas être ici. Pourquoi est-ce qu'ils ont une pièce X? C'est une clé de mécanicien, pas un X. Pourquoi est-ce qu'ils auraient une pièce X? Et d'ailleurs, c'est quoi une pièce X, Doulet? Ça, c'est une conversation que tu devais avoir avec tes parents, inspecteur. J'étais en train de me demander si cette caméra n'avait pas enregistré des images qui auraient pu nous servir, mais je viens de voir que le voyant lumineux de fonctionnement est peint. Un débouchévier, mais sans la ventouse. Juste un bâton alors. Ils appellent ça une poignée. Oh la vache. On dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Un reçu. Un reçu brillant d'une lumière verte et sur lequel est inscrit pour retrait. Je n'arrive pas à lire grand-chose d'autre dessus. Quoi qu'il arrive ici, McQueen, je pense me laver les mains avant de sortir. Il faudrait que je pense à m'épiler mes sourcils. Oula. Salut. Oh, désolé, la porte était ouverte. Ouais, le verrou est cassé et vu que j'ai pas de pied, je peux pas la bloquer. Bon bah, on va vous laisser, hein. Moi, une seconde, mec. En fait, j'ai un petit souci là. Vous pensez que vous pourriez m'aider? Allez-y, de quoi s'agit-il? Bah, en fait, j'ai pas vu qu'il n'y avait pas de papier avant de m'asseoir et disons que mon numéro 2 va pas s'essuyer tout seul. Ah, d'accord. On va voir si on peut vous trouver ça. Je me sens pas super à l'aise là. On est deux, mon gars.
Oh, c'est un hommage à... C'est un hommage à... Merde. À Deus Tentacle. Ou... On peut le dire, un hommage à Maniac Mansion. Ah, c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en suis pas sûr, mais je pense qu'on devrait le renvoyer de là où il vient. Oh non, il n'y a pas moyen. On dirait qu'il n'a pas l'air content. Tacul Excellente la traduction. On dirait qu'il a pas l'air content, Tacul, de que t'essaies de le faire dégager. Hé hé hé. Il faut que je trouve quelque chose qui me permette de l'enfoncer à l'intérieur. Ah, c'est horrible. Pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Ah merde. Il est naze ce graff... Non, il est naze ce graffiti. Moi, quand je viens taguer dans le métro, je fais un peu plus d'effort que ça. Pardon. T'as très bien entendu, le mouchard. J'avais déjà entendu parler des alligators des égouts, mais un céphalopode des égouts, ça fera une super entrée pour mon blog conspirationniste. T'as un blog conspirationniste, toi? Ouais! Doluminative.com. J'y parle de trucs super importants comme les lézards maçons, l'empoutrage de champs ou encore le fait que la lune soit fausse. Ah bon? J'en peux plus. Pardon. Ah bon? La lune est fausse? Bah bien sûr. Non seulement on n'y est jamais allé, mais en plus elle n'existe pas. Ah, c'est génial. Mais qui est-ce que ça intéresserait de mentir là-dessus? Et pourquoi? C'est génial. Bah les habitants de la Lune, tiens, mais de la vraie Lune, celle qui est cachée derrière la fosse. Et pourquoi tu parles pas plutôt des trucs qu'on voit pendant le boulot sur ton blog? Bien sûr, qui s'intéresse? Un train tout pourri alors qu'il y a des gens qui vivent sur la Lune et qui nous bourrent le crâne avec leurs mensonges. Ah, c'est génial. C'est absolument génial. Ah, le papier toilette. Sous forme spectrale ou pas, personne ne mérite de se trouver sans papier toilette en situation délicate. C'est marrant, ce bruit représente parfaitement l'évolution de ma carrière depuis que j'ai été affecté à la division du côté obscur. Pourquoi est-ce que tu me suis toujours, même dans les espaces les plus restreints? Tu sais ce qu'on dit à propos des amis qui se suivent absolument partout? Non. Moi non plus. Bien sûr, ce ne serait pas des toilettes souterraines craignos si la lumière ne clignotait pas. Ce ne serait pas non plus un spot de rêve secret. Qu'est-ce que tu dis? Rien, inspecteur. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, les rats ne se laissent pas inspecter. Du papier de verre bon marché, ingénieusement déguisé en papier toilette. Du papier de verre. Voilà. J'espère que vous n'avez pas dû attendre trop longtemps. Vous assurez grave, les gars. Tenez, prenez cette pièce. Ah, la pièce occulte. Une pièce à l'apparence maléfique de la taille d'une pièce de 25 cents. La salle de contrôle est fermée. Pour l'instant. Dolé. Oh, allez, inspecteur. Tu sais pertinemment comment ça marche. Merde, du coup, je sais plus. Il n'y a aucune chance que ça marche. Ah oui, bien sûr. Un billet de train que j'ai acheté avec la pièce bizarre que l'habitant du côté obscur m'avait donnée.
Oui, non, je sais plus, j'avais rien d'autre à. Tu vois, il est sinistre, mais juste un peu sinistre, quoi. C'est pas la mort non plus. Allons plutôt chercher des donuts. Dolé, il irradie de la lumière. Il est peut-être juste un peu radioactif. Tenez, voici mon billet. Parfait. Bienvenue à bord dans ce cas. Oula. Oula. C'est bizarre qu'ils aient tous l'air malades. Ils ne sont pas malades. Ils sont transparents. Je vois parfaitement à travers eux. Tes capacités d'observation m'ont toujours impressionné. J'aime beaucoup vos lunettes. Da, elle lunette de fête de moi. Ah, vous allez à une fête? Toujours, copain. Partout cet endroit de fête quand j'ai lunettes. J'ai toujours lunettes sur moi. Ici, maintenant aussi, on fait fête dans le train. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Où allez-vous comme ça? Comme les autres. J'étais en route vers San Francisco, Cisco. San Frankenstein Cisco. Jusqu'au moment où le train s'est arrêté ici. Cet endroit est terrifiant. Ah bon, à quel niveau? Eh bien, pour commencer, il n'y a aucune bête en train de hurler dans le ciel, personne n'est suivi par des hommes ombres et absolument rien n'est en feu, rien. En fait, peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Mamie Dolly, c'est toi? Désolé, jeune homme, je suis Mamie Goulet. Ceci dit, vous ressemblez étrangement à mon petit Patrick. Je m'appelle Patrick, moi aussi. Vous aimez jouer à mon petit œil étant plus jeune? Oui. Mon petit œil voit le début de toute fin, le monde se dévorant lui-même, des rivières de sang inondant les rues. Je ne me rappelais pas de cette version du jeu. Oh, voir la fin des temps était le jeu préféré de Patrick. Ah, un portail du côté obscur. On dirait qu'on a trouvé le suspect numéro un pour expliquer tout ce qui se passe ici. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utile. Dolé, tu fais quoi là? Je lui lis ses droits. Et tu m'expliques comment tu comptes l'arrêter exactement? Bah, en lui mettant des menottes, qu'est-ce que tu crois? 10 sur 10 pour l'enthousiasme, Dolé. T'as déjà vu ce documentaire sur la tribu de cannibales qui vit dans les tunnels du métro? Non. Moi non plus, et je commence à regretter du coup. Doulet, il n'y a pas de cannibales qui vivent dans le métro. Qu'est-ce que t'en sais? T'as pas vu le documentaire? On dirait que le portail violet a un complice. Je vais avoir besoin d'une deuxième paire de menottes. Votre tête me dit quelque chose. Le feu reconnaît-il la flamme? L'obscurité reconnaît-elle l'ombre? L'orage reconnaît-il Le vent, la pluie. Ah, c'est pas vrai! Je sais plus ce que je disais. Alors, vous êtes un agent, vous aussi? Nous sommes tous des agents de la traque éternelle, serviteurs de la morvide rampante, pasteurs de la cruauté du monde. Bon, eh bien, je suis heureux de voir que tout va bien pour vous. Ah merde, j'ai mal lu. Je suis heureux de voir que tout va bien pour vous. Merci, c'est le fruit d'un énorme travail et de nombreuses nuits passées au bureau. Vous avez une idée de ce qui se passe? Intrus, démons, monstruosités de chair, des choses qui n'auraient pas dû arriver se sont produites. Les voies du chaos s'entremêlent. Vous n'en savez absolument rien, c'est ça?
Non. Petit souci de calvitie naissante, je vois. Pas trop dur à vivre. La mort finit tous par nous emporter. L'entropie est une maîtresse cruelle. Ouais, espérons que ce soit dû au fait de vivre dans un endroit aussi incompréhensible qu'ici. À plus tard, je dois y aller. Nous devrions tous nous rendre aux endroits où nous ferions mieux d'être. Ouais. Dis donc, ils n'ont pas les idées sur les effets spéciaux, hein. Doulet, ce sont des portails qui mènent au côté obscur. On est dans le côté obscur, là. C'est normal que ce soit obscur. On est sous terre. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'ils ont choisi d'éclairer avec ce genre de truc. Ah, la Raxa de la bibliothèque. Enfin, des représentants de l'ordre. Le conducteur Hall. Hey! Désolé, mon vieux, mais pour l'instant, vous en savez pas plus que nous. Bonjour, inspecteur, vous pouvez nous dire ce qui se passe? Raxa, qu'est-ce que vous faites ici? J'avais pris le train pour rentrer de la fac et à un moment, on a été détourné vers je sais quel endroit bizarre. Eh bien, on est sur la ferme maintenant, alors vous pouvez vous détendre. Il veut dire que... Vous embêtez pas, j'ai compris. Dites-moi si je peux vous être utile à quoi que ce soit. D'accord. Vous avancez, inspecteur? On continue d'enquêter, Raxa. D'accord. Si jamais je peux vous aider, dites-le moi. Ouais. Je me demande s'il a réalisé ce qui se passait. En cas d'incendie, priez pour que quelqu'un ait rempli l'extincteur. Il semblerait que ce n'ait pas été le cas. Tu vois, ils ont l'air quand même l'air en meilleure santé, ces gens-là. C'est parce qu'ils sont vivants, Doulet. Jouer à des jeux vidéo, écouter de la musique, consulter des substances psychotropes, ouais, c'est vraiment ce que j'appelle vivre la vie au maximum. Recule, monstre. Wow, calmez-vous. Désolé, je pensais que vous étiez lui. Lui? Le type énervé dans le tunnel, là, qui menace d'arrêter ou de manger toute personne qui essaie de descendre du train. D'arrêter ou de manger? Oui, et je ne suis pas sûr de savoir qui choisit. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'êtes pas lui. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. On a quitté la station précédente à l'heure, et puis il y a eu tout un tas de lumières bizarres, et on s'est retrouvé ici. J'ignore d'ailleurs totalement où peut bien être ici. Qui est cet homme dont vous n'arrêtez pas de parler? Il vous ressemble un peu, mais en fait, non, pas du tout même. Maintenant que je vous vois, enfin, je vous vois en entier. Il fait des allers-retours à l'extérieur du train à la recherche d'indices et il grogne quand il nous voit. A-t-il fait du mal à quelqu'un jusqu'ici? Non, heureusement. Il semble plus menaçant que réellement dangereux. Je vous laisse. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas. Et désolé pour la confusion de tout à l'heure. Hey, oh, ça fait des plombs qu'on n'a pas bougé. Il se passe quoi, là? J'ai peur que... Parce que j'arrête pas de voir des gens verts. Parce que j'arrête pas de voir passer des gens verts qui flottent dans les airs. Je ne suis pas en mesure de... Hé hé, je crois que je l'ai un peu trop chargé, le dernier. Je ne pense pas que vous devriez me dire ça. Je suis un agent des forces de l'ordre. Trop mortel? Laissez tomber. En cas de passage dans une dimension parallèle, veuillez ne pas quitter le wagon. Un avertissement étrangement pertinent. Je devrais peut-être rester avec ces gens histoire de s'assurer qu'ils vont bien. T'en as marre de faire des allers-retours dans les tunnels, c'est ça? Arrête d'utiliser tes pouvoirs de divination sur moi.
Eh bien, eh bien. Vous ressemblez à un de ces vivants qui n'arrête pas de sortir de n'importe où en ce moment. Agent Douli. Je m'appelle Goulet et je suis le chef de la division du Côté Clair. Côté Clair. Nous sommes des spécialistes. On gère les menaces provenant de votre côté du bois, pour ainsi dire. Mon côté du bois. L'autre monde, celui dont vous êtes venu, fils. Et à en juger par votre apparence, je dirais que vous êtes inspecteur de police, un inspecteur qui ne joue pas vraiment de chance. Eh. Étant donné les circonstances, je présume que vous avez traversé le portail afin d'enquêter sur la version de votre monde de la situation actuelle. En effet, pouvez-vous m'aider ? Malheureusement non, fils. Ce n'est pas de votre juridiction ici. Vous devriez laisser ce qui se passe de ce côté entre les mains de professionnels et retourner vous occuper de notre train dans votre monde. Ça ne devait pas plutôt être à vous de vous en occuper ? Toujours un problème de juridiction, fils. On dirait que le concept est trop complexe pour un dangereux non-conformiste comme vous. Je devrais peut-être vous mettre derrière les barreaux. C'est n'importe. Allez mec, chante-moi un truc. Hein? C'est vous le musicien de rue, pas moi. Bah c'est comme ça que ça marche les musiciens de rue ici, espèce de touriste. Oula. Une étendue de moisissure poilue de couleur foncée. J'ai l'impression qu'elle me regarde. Une moisissure si développée qu'elle ressemble à des poils. Je rêve où cette machine est en train de pleurer. Viens me chercher la station, qu'il disait. Rien de grave, qu'il disait. Tu parles d'un crétin. Vu le peu que je sais sur comment ce monde fonctionne, un magasin de costumes pourrait aussi bien en vendre que transformer ses propres clients en costumes. T'envoies un dragon qui passe dans le ciel, c'est énorme. Ah, à l'aide, je brûle. Ah, Boris le baril, ok. Qu'est-ce que... Ah, je suis un baril à brûler des ordures, c'est normal que je brûle, espèce de tocard. Franchement, t'aurais trop dû voir ta gueule. Je suis même pas... Je ne veux même pas imaginer quel genre d'horreur peuvent faire à la une ici. Le maire pointe du doigt. Alerte info. C'est n'importe quoi. Non, il y a une autre vanne ou... Ah non, il n'y a pas d'autre vanne, dommage. Les trains connaissent d'importants retards, ainsi que de nombreuses pannes et des retards considérables. Certaines choses sont universelles, j'imagine. Oula! Oula! Alors, la tenue de pirate, c'est peut-être un clin d'œil à Monkey Island, l'île aux singes. La tenue de motard, c'est peut-être un clin d'œil à Fun Fan l'a fait sur son antenne. Mon bon copain Fun Fan, Full Throttle. Et enfin, la tenue de sorcier. Alors là, par contre, je suis beaucoup plus dubitatif. Je vois pas à quel point Tenclic ça ferait référence la tenue de sorcier. Là, je suis navré, mais j'ai pas la référence. Oh là 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 là. Oh là là. Mais il y a plein de trucs à lire en fait. Oh la vache. Bon bah allez, on va y aller de droite à gauche. Alors l'affiche. Si vous ressemblez à cette personne, il se peut que vous vous trouviez devant un miroir. Il se peut également que la police veuille vous poser quelques questions. La tenue de pirate.
Étonnez vos amis, surprenez vos ennemis et embrouillez les vrais pirates avec cette tenue de pirate inefficace, fournie avec 6 fausses pièces de 8. Alors la tenue de motard. Devenez un motard qui déchire, moto non incluse. Vous êtes un motard sans moto, devenez un marcheur qui déchire. En supposant que vous puissiez déchirer quoi que ce soit, bien sûr. Un annuaire, une âme, le silence de la nuit. Dites, c'est vous qui avez écrit ces publicités? Spider le vendeur qui répond. Non, monsieur. Elles sont fournies avec chaque costume, monsieur. Vous aimez ce qu'elles disent, monsieur? Alors, la tenue de sorcier. Un sorcier adolescent narquois est le bienvenu partout. Enfin, bienvenu jusqu'à ce qu'il arrive à la fête. Après, il est là, mais ça demande quasiment autant d'efforts que de se débarrasser de lui que de faire comme s'il n'était pas là. Vu que c'est déjà comme ça à la plupart des fêtes où je vais, je ne peux que valider le costume. Alors, la caisse enregistreuse. Ah bah, c'est Spider le vendeur qui parle. Je vais vous le demander poliment, mais une seule fois, monsieur. N'approchez pas vos doigts boudinés de ma caisse. La perruque punk. Déguisez-vous en punk ou en guerrier des routes du futur. Ou alors, vous pourriez porter ça et être, je sais pas, une carotte. Moi, je suis convaincu, en tout cas. La boîte de bric-à-brac. Elle est pleine de 1 et de 0. Comment on est censé porter ça? Alors, le vendeur Spider nous répond. Venant de monsieur, je m'habille avec des sacs poubelles marron. Oh, quand même. Il y a pas mal, mon impère. Et ils disent que le client a toujours raison. Perruque et moustache. C'est un costume de quoi, ça? Ça m'a l'air relativement normal. Normal, monsieur? C'est le pilier sur lequel les étés sont bâtis, monsieur. Un ami, un mentor, une épaule sur laquelle s'appuyer. Prêt à vivre dans une hutte sans air conditionné. Le légendeur animateur de camp, monsieur. Mais enfin, personne ne croirait jamais qu'il s'agit d'un déguisement d'animateur de camp. Oh que si! C'est la moustache, monsieur. Son porteur devient un rude gaillard, paré pour la vie tumultueuse d'animateur de camp. Ce n'est pas pour les peureux, ni pour les gérants de boutique, ni pour les porteurs d'impairs. Et enfin, l'affiche. Bloc indéchiffrable, prochainement au cinéma. Une personne invisible. Bienvenue, monsieur. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre magasin de costumes. Ah, c'était donc ça le nom. L'enseigne cassée n'était pas très claire. Mon père disait toujours, si c'est pas cassé, le répare pas. Et si c'est cassé, ben, t'es pas forcé de le réparer. C'était quelqu'un de pratique, mon père. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Vous cherchez à intimider votre supérieur au bureau? Vous voulez séduire une partenaire à 6 bras? Vous êtes fatigué de ressembler à un clodo? Eh, c'est notre slogan. Quoi que ce soit qui vous fasse honte, Spider a ce qu'il vous faut. Un instant, monsieur. Oh, pardon, mademoiselle Biscotti. Veuillez accepter toutes mes excuses, mademoiselle. J'aurais dû deviner, c'est évident maintenant que j'y repense. Je vais chercher votre commande, mademoiselle. Oh oui, merci. Et voilà, mademoiselle, un bonnet de bain. Eh bien, merci, j'imagine. Un bonnet de bain dont la couleur rappelle étrangement celle de la peau. La majeure partie de la ville du côté obscur semble être en ruine. Donnez-moi juste une bonne raison pour ne pas vous embarquer sur le champ. Je vous serais reconnaissant si vous ne le faisiez pas. Allez faire un tour ailleurs alors, il n'y a que Max Scream et moi qui soyons autorisés à aller plus loin. Et vous n'êtes ni lui ni moi.
casse-tête l'affaire là pour le coup pour moi. Ouh là là. Là, je pense pas avoir de. Pardon. Je pense pas avoir de nouvelles répliques. Ne me dis pas que je peux forcer avec la poignée. Non. Le fantôme est toujours aux chiottes? Ah oui. Je vous remercie de m'avoir aidé, les gars. Mais vous comptez vraiment rester pour le show? Je vois pas ce qu'il faut faire. Ne me dis pas qu'il faut que je lui donne le bonnet de bain. Alors là, ah merde, j'ai dit, j'y suis pas allé. L'accès à cette zone est interdite. Membre des effectifs secrets uniquement. Vous faites partie des effectifs secrets? Non. C'est bien ce que je pensais, vu que Maxrim et moi sommes les seuls à l'être ici. Du coup, à moins que vous ne soyez l'un des le nous deux, je vous suggère de ne pas insister, fils. Ah, du coup, c'est à moi de revêtir le truc et là. Oh merde. Il faut que je trouve quelque chose. Il faut que je trouve quelque chose pour compléter ce déguisement avant de pouvoir le porter. Avec ça. Je vais pouvoir me déguiser en agent Maxrim quand j'en aurai envie. Youpi. Si je portais ça, j'aurais l'air d'un agent Maxrim du pauvre Jar, sa sixième doublure. Il est temps d'essayer ce. Je n'arrive pas à me résoudre à l'appeler déguisement. Bref, il est temps de l'essayer quand même. Minute, fils. Vous croyez vraiment que j'ai pas eu l'occasion de voir d'autres déguisements au cours de ma carrière? Le vôtre est particulièrement peu crédible. Ce qui est sans doute dû au fait qu'il soit composé en partie de moi. Je vois, c'est sûr. Et qu'il lui manque un certain côté flottant et transparent. Bon, bah, ça valait le coup d'essayer. En effet, si seulement l'agent qu'on m'a envoyé était aussi ingénieux que vous, je vais vous dire un truc, fils, allez-y. Peut-être que vous y arriverez à résoudre cette affaire après tout. Ça ne risque pas de poser un problème de juridiction. J'inventerai une solution, la paperasse, ça me connaît. Allez, dépêchez-vous avant que je change d'avis. D'accord, merci. La salle de contrôle du côté obscur n'est pas verrouillée. Tiens, tiens, tiens. On dirait qu'il a écouté le conseil, mais qu'il est resté accroché un peu trop longtemps. Qui n'aime pas avoir des clés? Oh merde, les clés du... Pour revenir au côté... Oh là là. Une note disant... Elle me hait un peu passionnément à la folie. Visiblement une relation saine et équilibrée.
Alors, ligne 1, système de contrôle de l'alimentation, tous les systèmes fonctionnent correctement. Tout semble fonctionner correctement ici. Je ferais mieux de ne toucher à rien pour que ça ne change pas. Elle est pleine de photos de vous, en train de jouer à un jeu, dans lequel un petit homme grossièrement pixelisé est en train de fouiller dans une poubelle, dans laquelle il trouve des photos de vous. C'est génial. Alors, les toilettes, gare. Oula! Toujours aussi beau gosse, Frankie. Ah, le reflet qui répond. Même si t'es un peu laissé aller dernièrement. Toi, la ferme, le reflet. Quoi? Cette porte semble condamnée. Oula, chose indéfinissable. Grognement, grattement, coup sur la porte. Oups, j'espère que ces planches vont tenir. Cet endroit me rappelle quelque chose. Alors, soit c'est un indice, soit il y a un artiste feignant qui se cache quelque part. Cet endroit, on dit la même chose que pour le graffiti. Apparemment, dans ce monde, l'eau tourne à la fois dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire. On dirait qu'il y a quelque chose de coincé à l'intérieur. Je l'ai enlevé. Van Gogh. Oh, Van Gogh, un nom horrible, les chiottes. Ah, merci. Je veux dire flouche. Une ventouse. Oh non. La ventouse que j'ai trouvée coincée dans la bouche des toilettes, ça soulève plusieurs questions et non des plus plaisantes. L'accessoire ultime en matière de débouchage de toilettes. Qu'est-ce que vous avez là? C'est un... Ça m'a tout l'air d'être une pièce à conviction, mais... Comme vous le comprendrez, je ne peux pas vous laisser l'amener loin d'ici. On dirait que je vais devoir remettre cette clé à sa place jusqu'à ce que je trouve le moyen de la faire passer sans qu'il s'en rende compte. Ah oui! Eh oui! Oh la vache! Oh non, il va falloir que je me serve des toilettes pour passer de l'objet d'un monde à l'autre. Oh non. Je pense que je devrais essayer d'en savoir plus sur ces toilettes avant de leur donner des clés. Vous approchez pas avec ça. Il n'y a rien à déboucher ici. Je ne crois pas qu'elles arriveraient à trouver son chemin jusqu'à l'autre côté sans l'aide d'un guide. Oh non, le rat! Pourquoi j'ai pas vu de rat ici? C'est le rat qui fait la différence entre les deux dimensions.
Sur l'étiquette de la clé, il est écrit salle de contrôle. Mais ça, on avait dîné. Qu'est-ce que vous avez là? Oh merde, il recommence avec le même truc. Ah, je suis coincé. Comment je peux faire mon affaire? Oui, mais non. Le déguisement servira à rien puisqu'il va me faire une fouille. Aïe, 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 aïe. Merdome, alors là je sèche. Alors, vos recherches avancent? Doucement, mais sûrement. Parfait, continuez comme ça. Je suis si content que vous ne soyez pas lui. Alors là, je sèche. Attends, je réfléchis. Faut que j'arrive à faire passer la clé de l'autre monde, mais faut pas qu'ils s'en aperçoivent. Je vais quand même pas fusionner le débouché vie avec la clé, ça n'a pas de sens. Ça va forcément se passer dans les sanitaires, non? Je peux pas faire ça comme ça? Ah non, l'évier est pas. Qu'est-ce qu'il dit? Cet endroit me rappelle quelque chose. Alors soit c'est un indice, soit il y a un artiste feignant qui se cache quelque part. Ce serait quoi l'indice? Juste le fait qu'on est dans un monde parallèle, mais bon. Est-ce qu'il me manque un objet? Je sais pas. Vous venez bien de dire Fletch? Non. Ah, si, si, je suis formel. Je suis inspecteur de police, les toilettes parlantes, ça me connaît. Ok, vous m'avez eu. Je sais parler, la belle affaire. Maintenant, vous faites vos trucs et vous dégagez. J'en prends aucune loi, le flic. Merci, ça ira. Les toilettes parlantes, hein. Moi qui croyais que j'avais un taf pourri. Eh bien, faut bien que je bosse, hein. En plus, j'ai des projets, mon vieux. Je vais devenir une star. Quel genre de projet? Je vais devenir comédien. Vous voulez que je vous raconte une blague? À condition que ce soit pas une grosse bouse. Bah, tout le monde peut s'improviser comédien, c'est bon, laissez tomber. Sérieusement, j'aimerais entendre une de vos blagues. D'accord.
Pourquoi on devrait servir le jus de tomate dans un bocal rond? Parce que c'est une boisson rouge. Oula. Ah, voilà. Vous pourriez faire passer ça de l'autre côté pour moi. Attendez, vous croyez que parce que je sais parler tout de suite, je suis magique? Désolé, bon vieux, mais va falloir vous débrouiller. Non, c'est pas ça. Mince. Sans l'aide d'un guide. Ouais, mais quel guide? Un guide. Alors là, je vois pas. Là, il n'y a pas de rat. Oh, je vois pas le guide. Elle me regarde, il n'y a aucun doute. Intensément même. Je crois qu'elle n'a pas apprécié le petit prélèvement de la dernière fois. Non, je refuse de parler à ce mal appris. J'ai mal aux yeux quand je le regarde. Po, 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 po. Dis donc, ils n'ont pas les idées sur les effets spéciaux, hein? Doulet, ce sont des portails qui mènent au côté obscur et on est dans le côté obscur là. C'est normal que ce soit obscur, on est sous terre. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'ils ont choisi d'éclairer avec ce genre de truc. Ah, merdôme. En cas d'incendie, priez pour que quelqu'un ait rempli l'extincteur. Il semblerait que c'est pas été le cas. Je peux pas mettre la clé dans l'extincteur? Non, ça n'a pas de sens.
Attends. On est d'accord que le débouché vieille, ça marchera pas sur la. Non. Ça n'a pas de sens non plus. Oh là 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 là. Et si je fais ça, il me dit qu'il y a besoin d'un guide. Je ne crois pas qu'elle arrivera à trouver son chemin jusqu'à l'autre côté sans l'aide d'un guide. J'ai envie de dire, le guide, ce serait le rat. Mais le rat n'existe pas dans la dans le côté obscur. Ou alors, c'est cette horreur-là. Oh, je sèche, je vois pas. Un guide pour la clé. Un guide pour la clé, je vois pas du tout. Alors là, je suis en train de tourner en rond. Ah, je peux pas poser de questions. Ou alors il y a une interaction que j'ai pas trouvée dans les images, mais laquelle? C'est pas en lui parlant que. Non, bah non. Je vais pas mettre la clé dans la poubelle quand même, si. Ce qui me rend fou, c'est quand il dit ça. Jusqu'à l'autre côté, sans l'aide d'un guide. Mais comment je peux guider la clé dans la tuyauterie? C'est ça qui me rend fou. Non, bah je continue. Ah, bah jusqu'à maintenant j'avais un bon rythme et puis là, terminé. Vous voulez quoi encore? Allez-y. Ah, c'est pas fini les dialogues. Je vais aller jusqu'au bout du dialogue. Pourquoi Toto a poussé son grand-père par la fenêtre? Parce qu'il voulait voir un papy envolé. Oula. Vous pouvez plus vous en passer. Hein. Encore une. Comment on appelle un âne à trois pattes? Un âne handicapé? Non, ça s'appelle un âne. Sa propriété physique ne devrait pas influencer sur le regard que vous lui portez, espèce de monstre. Ah tiens, j'en ai une pour vous. Qu'est-ce qui est vert et qui pue? On en revient toujours au scato avec vous, les humains. Ah tiens, monsieur le grossier est de retour.
C'était juste une blague. Allez, je vous pardonne, va. Je voudrais pas vous mettre dans une ambiance de merde. Badoum. Je suis là toute la semaine. Essayez le curry rouge. Je plaisante, n'essayez pas le curry rouge. C'est des toilettes ici, pas un restaurant. Je vais y aller. Je peux pas vous en vouloir. Non, j'en peux plus là. Et puis j'ai une affaire à résoudre. Humour de chiotte. Tu parles d'un succès. Faudrait un guide. Oh la vache. C'est-à-dire que quand je rentrais dans les toilettes dans l'autre monde, le rat était là. Quand je voulais l'observer, il se barrait. Mais là, il est plus là. Ah bah merde alors. Peut-être parler à un perso. Je sais pas si ça va me déverrouiller un. Non. Ça me déverrouille pas de nouveaux dialogues. Oh bah merde alors. Oh merdoum. Je peux pas demander à Douli de garder la clé pour moi. Que je la remette à sa place avant que je trouve le moyen de la faire passer sans qu'il s'en rende compte, ça veut dire que la solution est de l'autre côté et que je suis effectivement condamné à la remettre dans l'accroche-clé. Avec de l'importance de bien lire les répliques. Un jour, tu seras mienne, petite clé. Oh oui, mienne. D'accord. Là, pour le coup, ça change tout. Non, je me suis suffisamment sali les mains la première fois. Ah,
débouché fille sur le rat? Non, ça n'a pas de sens. Ah, quelle horreur. Allez, mange ma grosse ventouse. Ah, ventouse sur un tentacule, trop bon. Quoi? Tu veux que je t'aide, c'est ça? Je me demande où il peut être maintenant. Dakodak. C'est marrant, ça représente parfaitement l'évolution de ma carrière depuis que j'étais affecté à la division côté obscur. Ouais. Et je peux pas essayer de choper le rat, non, ça sert à rien. Alors, ah, tiens, revoilà mon copain gigoteur. Alors comme ça, c'est ici que je t'ai envoyé. Hein. Je commence à m'attacher à lui. Je devrais lui trouver un nom. Dev. Tu vas t'appeler Dev the Tentacle. Voilà. Qui n'aime pas avoir des clés. Voilà, je vais donner les clés à la tentacule. Garde-moi ça. Tu veux bien, mon grand? Tu t'amuses bien avec ta clé. Tu aimes bien la couleur, d'Ève. Alors, si je me plante pas, je vais pouvoir retrouver mes clés de l'autre côté. Attends, je suis complètement perdu du coup. On devrait sans doute regarder un peu mieux avant de partir. Bah, ah oui, merde, c'est la plateforme. Ah, je suis en train de me perdre. Bah merde, j'étais dans le bon endroit et j'ai pas... Je me demande où il peut être maintenant. Ah, j'ai pas pensé à tirer la chasse. Oh non, faut que j'y retourne. À moins que... Attends. Attends. À moins que je fasse un appel d'air. Mais non, il n'y a rien à déboucher, merde. On est d'accord que c'est pas là.
Non, oh là là là. Non, je me plante. Oh, c'est pas si grand que ça, mais j'arrive à me planter. Ah, il faut que je refasse le débouché vie sur lui. Chaque fois que je t'envoie, Dev, rappelle-toi que je le fais avec amour. Voilà. Faut aller jusqu'au bout de l'action. Voilà. Mais je l'avais déjà lu ça. Ah oh, mon Dieu, cette réplique. Merci, Dev. T'as vraiment appelé ce tentacule Dev? Sois pas jaloux de lui. C'est toujours toi mon préféré. Enfin. Enfin la soluce. On dirait bien que ça a marché. Voyons voir ce qu'il y a derrière la porte numéro 2. Tam le mécano. Hein? Vous êtes entré comment? Tam l'avait fermé la porte de l'intérieur. J'imagine que c'est vous qu'on doit tout ça. Vous n'aurez pas dû virer Tam pour s'être endormi au travail. Tam, il leur avait dit en plus que ses cours de magie noire y commençaient à minuit et qui finissaient tard. Tam l'est pas fait pour les shifts du matin, c'est un gros dormeur. Coffre-le, Doulet. J'ai laissé mon coffre au commissariat, c'est pas grave si j'utilise des menottes à la place. Les gens, ils y réfléchiront à deux fois avant de virer Tam maintenant. Ils y réfléchiront à deux fois avant de vous embaucher aussi. Vous avez dit quoi? On dirait que des événements de nature occulte ont lieu ici. Peut-être, mais les bougies à la cannelle me rappellent Noël et ça j'adore. Tam l'a toujours aimé Noël. Papa, il nous offrait des trains et maman des poupées vaudou. C'était toujours un moment magique. Pense tout de même à lâcher prise au bout d'un moment. Je sais ce qui va t'arriver si tu restes accroché trop longtemps. De quoi est-ce que tu parles? J'ai vu des choses, Doulet, si tu savais. Ça manque de clés. Arrêtez de fouiller dans les poubelles. Un message inattendu mais étrangement pertinent. Ah. Si c'était contre l'alimentation, éjectez la disquette. Une vieille disquette a été éjectée. C'est sans doute elle qui a permis d'installer le virus. Elle pourrait m'être utile. La disquette maudite. Trois pouces et demi de mal chargé d'insinuations. Dolly, reste ici et assure-toi que ce type n'aille nulle part. Mais comment il va faire pour s'échapper à leur table? C'est précisément pour vous empêcher de le faire. Oh, ben ça, c'est pas juste. Alors, je sais pas si j'ai eu l'occasion de parler aux personnes dernière fois. Ah non, non, non. Il n'y a pas d'intérêt. Non, il n'y a rien de... Ah, il faut que je n'aie Raxal, d'accord. C'est Raxa qui va se charger avec son ordi. Raxa, qu'est-ce que vous pensez de ça? Faites-moi voir. Ah, oh, c'est un virus occulte. Eh bien, je pense que c'est la cause de tout ce qui est en train de se passer. Je devrais pouvoir vous expliquer comment élaborer un antivirus sur ma machine. C'est exactement ce que j'espérais. Alors, comment dois-je procéder? Vous devez nettoyer les secteurs de la disquette qui ont été infectés par le virus.
Ça semble facile. Ça ne l'est pas. Comme il s'agit d'un virus, chaque secteur que vous nettoyerez infectera ceux qu'il touche. Vous pouvez également attirer le virus en lui faisant quitter des secteurs infectés pour des secteurs sains, nettoyant par là même les secteurs infectés. Pourquoi je voudrais faire ça ? Pour revenir à bout du virus, vous allez devoir faire en sorte qu'il n'ait plus nulle part où se cacher. Et pour ça, il est probable que vous deviez le tromper. En fait, ça a l'air plus compliqué que ce que je pensais. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait une sauvegarde. Vous n'aurez qu'à cliquer sur initialiser si vous voulez recommencer la procédure depuis le début. Merci. Bon, eh bien essayons. Ah, ce jeu de logique. Oula. Oh oui, j'ai gagné. Ok, je pense que ça devrait être bon. Super. Et vous êtes sûr que ça va marcher? C'est toujours difficile d'être sûr quand on parle d'occulte, mais je pense qu'il y a de fortes chances, oui. Je peux vous dire que si ça marche, la ville vous devra une fière chandelle. C'est vrai, parce qu'en fait, si j'en suis réduite à prendre le train, c'est à cause d'une montagne d'amendes pour stationnement interdit. La disquette antivirale. Excellent. Chargement de l'antivirus en cours. Bien joué, McQueen. Grâce à toi, les trains peuvent recommencer à circuler. Rassure-moi, Doulet. T'as compris ce qui vient de se passer, au moins ? Non. Allons mettre ce type derrière les barreaux. Ah 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 ! Et comment vous comptez m'y emmener, le train est hors service ? On vient juste de parler du fait que la situation était résolue. Vous n'écoutiez pas ? Et de toute façon, on est en voiture. C'était pas une bonne journée pour Tam aujourd'hui. Affaire classée. Train-train pas quotidien. Ah, c'était drôle. Ah, j'ai failli couper l'enregistrement. Parce que le coup de la clé, là, je comprenais plus. J'avais compris qu'il fallait faire passer de l'autre côté de l'univers parallèle. Mais comment y parvenir Je commençais à douter, je me focalisais trop sur le rat qui était pas là de l'autre côté, mais bon. Bref, ça va, j'ai fini par réussir. Ma prochaine enquête, je sais pas quand, mais ce jeu est très agréable à faire. À la prochaine, à plus.